Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Sagittaires pour ce mois d'avril. Alors, avant de commencer, j'ai choisi le Draining Wetaro pour ceux que ça intéresse, accompagné de la carte, une carte de l'oracle de Béline. J'ai choisi l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, avant tout, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. Il est possible que ça ne vous parle pas. Donc, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder la carte centrale, puisque c'est l'énergie principale pour ce mois d'avril. Alors, on a la carte de la papesse. Donc la papesse, elle vous conseille, pardon, de faire confiance à votre petite voix intérieure. Vous avez beaucoup d'intuition et il va falloir l'écouter. Elle favorise également les études et les recherches personnelles. On va ce mois-ci se montrer patiente et prévoyante dans les différents projets, hein, que vous avez envie de mettre en place. Prenez le temps d'analyser avant tout engagement. Hein? Voilà, on réfléchit, on étudie, on observe, on lit bien les petites lignes. Évitez en tout cas de vous replier sur vous, hein, et évitez le manque de communication. La papesse représente généralement une personne un peu timide, très discrète, très réservée. C'est pas elle qui va parler en premier, par exemple, dans une réunion de travail. Elle va plutôt être en retrait et écouter. Donc, on ne se replie pas sur soi au niveau relationnel, hein, au contraire, là, il faut rester ouverte. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du pape. Donc, on voit que les sentiments ici, hein, on voit que ça peut représenter un couple, hein, l'homme et la femme. Les sentiments sont confiants et sincères. Il y a une bonne entente qui règne. Les sentiments sont exprimés avec sincérité. On peut voir que la relation est saine et rassurante. Ça peut parler d'un engagement durable. Les promesses ici vont être tenues. En cas de brouille, on va se réconcilier, on va trouver un terrain d'entente, on se pardonne mutuellement. Pour les célibataires, ça peut indiquer une liaison cachée avec une personne déjà engagée peut-être. Voilà. Ça peut également représenter ici qu'on planifie en secret un mariage, par exemple. Hein? En tout cas, il est possible que ce mois-ci, on légalise son union ou sa situation. Bon, c'est pareil. Ça peut être ici des projets de maternité s'ils sont souhaités. Hein? On a envie maintenant de fonder une famille, de fonder un foyer. Alors, on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de la famille. Donc, la famille, elle confirme bien sûr les liens du cœur et les liens du sang. Hein, ça peut représenter des repas de famille, des rassemblements. Elle permet également l'espoir de créer sa famille, son foyer, hein, d'où peut-être ce projet de maternité. Alors, la famille, bien sûr, elle implique aussi tout ce qui est positif, mais aussi négatif. Hein? Voilà, la famille, c'est le bon et le mauvais également. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel. On retrouve la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, ici, on voit qu'elle, en tout cas, elle a un savoir-faire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va être prudent. Hein? Elle va réfléchir avant de mettre en avant ses idées. Elle va regarder si elle a des projets ici en préparation. Elle va d'abord regarder si c'est le bon moment de les mettre en place. Hein? Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que tout est bien planifié? Est-ce que je n'ai rien oublié? Est-ce que tout est prêt? Hein? Donc on voit qu'il y a beaucoup d'idées ici à mettre en place. Hein? Alors, ça peut représenter également des négociations. Hein, il va falloir ici parlementer, hein, exprimer ce qu'on veut, s'expliquer également. Donc, c'est des négociations qui peuvent se faire discrètement.
Hein? Voilà, on discute en catimini. Voilà, il n'y a pas grand monde. On n'en parle pas. Le projet, pour l'instant, on le garde pour soi. Hein? On préfère d'abord étudier, observer, voir si c'est la bonne période pour en parler, par exemple, pour le mettre en place. Donc, il y a des choses qu'on va d'abord garder pour soi. C'est un projet, on voit ici, qui est en gestation. Donc, besoin de planifier, de étudier les futurs changements. Ça peut représenter donc une période d'inaction, d'attente et de patience avec la carte de la papesse. Ça peut représenter également un arrêt momentané pour un congé maternité. C'est possible aussi. Pour d'autres, ça peut représenter ici une candidature retenue, un entretien professionnel ici positif pour vous. En tout cas, la créativité ici que vous avez envie d'exprimer, elle peut passer par les écrits, par les études. C'est possible, puisque la papesse, c'est quelqu'un qui aime lire, qui aime écrire. Vous pouvez exprimer votre créativité par des arts divers, par la peinture aussi, par exemple. On va regarder maintenant avec la carte de Béline, on a la carte du hasard. Alors le hasard confirme bien sûr que ce mois-ci, vous allez avoir des opportunités professionnelles. Ça peut vous parler de promotion, d'avancement, qui pour l'instant on ne dévoile pas. Ça reste secret, hein, si vous voulez. Tant qu'on n'a rien signé ici, pour l'instant on n'en parle pas, on ne dit rien. Hein. Ça se passe un peu en catimini. En tout cas, l'avancement, la promotion est ici en train de se mettre en place. Hein, il y a peut-être des papiers administratifs à mettre en place. Hein, il y a peut-être des signatures qui vont devoir se faire. Donc ici, il y a des changements hein, qui vont être faits, des changements qui vont être souhaités, en tout cas, sont favorables pour vous. Hein, si vous avez envie de partir travailler dans un autre établissement, de travailler dans une autre branche. De faire autre chose, de travailler de nuit par exemple, pourquoi pas, le changement va vous être favorable. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on retrouve la carte du chariot. Alors avec le chariot, bien sûr, cette carte-ci, elle nous promet ici un succès matériel, hein, des possibilités d'augmenter ici ses revenus. Hein? Mais avec la papesse ici, il y a de la réflexion dans sa gestion financière. Hein? Il peut y avoir une période de réflexion concernant ses dépenses également. Hein? On réfléchit peut-être aussi quant à l'achat d'un nouveau véhicule, par exemple, ou en tout cas un nouveau projet. Si vous avez envie de déménager, de acheter une nouvelle voiture ou acheter un nouveau bien immobilier, on va d'abord prendre le temps d'étudier la situation. On prend un temps de réflexion ici. On regarde si on peut le faire, si on a les moyens, si c'est la bonne période. Voilà, hein. Les finances sont ici gérées avec sagesse. Hein. La papesse, elle se montre prudente. C'est quelqu'un qui est prévoyante. Donc, c'est une gestion saine. Hein. C'est une bonne gestion. On va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte de la découverte. Donc, la carte-ci permet de comprendre certaines situations. Hein. Il est possible ici que vous accédiez à des secrets. Vous allez apprendre peut-être qu'il y a eu de l'argent placé à votre insu, mais que finalement, c'est un bien puisque vous allez pouvoir maintenant investir. Hein? Ou alors peut-être vous avez le projet ici d'investir, d'acheter, mais à part son partenaire, on n'en parle pas à sa famille, par exemple. Voilà, on ne dévoile pas pour l'instant ses intentions. Hein, ça peut parler ici de projet à deux. Ça peut être une belle période également pour découvrir ici des meilleurs placements. Voilà. Hein. La papesse, c'est quelqu'un qui tient son livre de compte. Elle étudie tout, les taux d'intérêt, les placements, les revenus.
Donc, si vous avez placé de l'argent dans des biens immobiliers, il pourrait y avoir ici un retour très intéressant. Hein? Voilà, il y a des placements qui vous reviennent. On va regarder maintenant au niveau des énergies. Et on a la carte de l'arcane sans nom. Donc là, ça peut représenter ce mois-ci qu'il peut y avoir une ouverture spirituelle. Il y a une transformation intérieure, une libération également. Hein. Il y a des croyances peut-être qu'on avait et puis on s'aperçoit que maintenant, on s'en libère. Il y a autre chose qui s'ouvre à nous. On peut s'intéresser à autre chose. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, après la mort? Est-ce qu'on peut communiquer avec, avec des défunts, par exemple, hein? Voilà, donc ça peut être une belle ouverture spirituelle. Au niveau des énergies, ça peut représenter ici une fatigue générale. Ça peut représenter divers petits malaises, hein? L'arcane sans nom représente souvent une opération. Donc, à vous de voir dans votre situation, est-ce que vous avez prévu une opération ici, que pour l'instant vous n'en parlez pas, puisque l'opération peut être retardée, remise à plus tard. Donc, pour l'instant, vous n'en parlez pas. Vous verrez au moment voulu. Hein? Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de vol et de perte. Alors, je vous parlais de petits malaises divers. Elle prévient généralement de malaises physiques. Hein, c'est peut-être des soucis antérieurs ici, des soucis du passé qui peuvent refaire surface. Hein, un souci de santé. Alors, ne prenez pas, ne vous alarmez pas. Hein, je vous rappelle que c'est un tirage général. Hein, ça ne peut, voilà, prenez ce tirage en compte que si dans le passé vous avez eu quelques petits soucis, si vous vous sentez fatigué actuellement. Pourquoi pas ici faire des examens. La papesse peut représenter la femme médecin. Hein? Voilà, c'est le médecin qu'on va voir. On est prévoyant et on va faire un check-up par exemple. On va regarder si tout va bien. Donc on ne s'alarme pas, on reste positif. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Donc je l'ai préparée, c'est l'améthyste. Donc une pierre à porter sur vous, bien sûr. L'améthyste vous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. L'intuition et la spiritualité, c'est tout ce qu'a la papesse au fond d'elle. Derrière son voile, c'est quelqu'un qui a déjà des connaissances spirituelles et qui a énormément d'intuition. C'est pour ça que ce mois-ci, on vous recommande d'écouter votre petite voix intérieure et de suivre votre intuition. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle, vous voyez? Donc peut-être ça représente plutôt ça, l'ouverture spirituelle et intuitif. Mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent, et aujourd'hui, vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entre dans votre vie et vous apaise. L'améthyste également est une pierre de sérénité et d'apaisement. Quand on se sent un peu anxieux, un peu stressé, c'est une pierre qu'on va avoir plaisir à porter sur soi. Vous voyez, moi je l'ai en bracelet par exemple, vous pouvez la porter en bracelet ou en pierre roulée. Et c'est une pierre qui va vous calmer, qui va vous apaiser, hein, et qui va vous aider également à vous connecter à votre intuition. On va regarder maintenant la carte conseil pour vous ce mois-ci, et c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, des courriers, un appel téléphonique, un email, on va regarder ça.
Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme, comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie et de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux. Dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance, ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Donc l'action que vous pouvez mener ce mois-ci, la prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Voilà, le bonheur est contagieux et il se partage. Donc quand on reçoit une bonne nouvelle, on la partage et automatiquement on l'irradie autour de soi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les futures vidéos. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!